Dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, une mère de famille dit avoir été sommée de se rendre au poste de police du coin. Zumrad Tawut, une membre de la minorité musulmane ouïghour, affirme avoir été menottée et cagoulée. Elle dit avoir fait un trajet d'une heure dans un véhicule sans savoir où on l'emmenait. Ils m'ont mise dans l'auto. Je pensais qu'ils allaient m'emmener sur une montagne et me tirer dans le dos. Elle dit avoir été enfermée pendant des mois dans un camp d'internement comme celui-ci, à l'insu de son époux et de ses enfants. Selon les Nations unies, plus d'un million d'Ouïghours ont été internés dans de tels camps. La Chine nie qu'il s'agit de camps d'internement. What we call vocational education and training centers. It's nothing to do with eradication of ethnic groups. Mais une fuite de documents confidentiels du gouvernement chinois, obtenue par le Consortium international des journalistes d'enquête, dévoile les plans secrets de Pékin, un vaste système de détention pour l'endoctrinement d'un peuple minoritaire. Début novembre, sur la rive sud de Montréal, des Ouïghours se rassemblent pour une soirée festive. Ils sont près de 2000 à vivre au Canada. Derrière les danses et les sourires, plusieurs n'ont pas le cœur à la fête. L'angoisse et la peur tenaillent cette communauté. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de la famille Tarabo? Les gens, ils vivent dans la peur, ils ne peuvent plus parler de rien. Tu leur demandes quelque chose, ils vont se méfier de toi. Les gens vivent dans la peur. Arki Aliyev est d'origine ouïghour. Il a immigré à Montréal avec ses parents il y a 20 ans. Ils sont inquiets car ils n'arrivent plus à joindre les membres de leur famille qui vivent en Chine. Quand on les appelle sur les téléphones en ligne directe, ben ça sonne pas, on n'arrive pas à les rejoindre. Qu'est-ce qu'il y en a avec mes frères, mes sœurs? Qu'est-ce qu'il y en a avec les cousins, les cousines? Ben, ces gens-là ont disparu, comme s'ils n'ont jamais existé. On n'a aucun signe de vie depuis déjà plusieurs années, là. Plus de 10 millions d'Ouïghours vivent dans la région de Xinjiang, dans l'extrême nord-ouest de la Chine. Cette région, riche en pétrole et en ressources minières, est stratégique pour la Chine pour assurer son approvisionnement énergétique et pour établir de nouvelles voies commerciales vers l'Occident. Les Ouïghours sont une minorité turcophone et musulmane, depuis longtemps victimes de discrimination aux mains de la majorité chinoise Han. Les tensions entre les deux groupes ethniques ont mené à des émeutes et des attentats commis par des Ouïghours. Pékin a réagi avec force. Au nom de la lutte contre le séparatisme et le terrorisme, les autorités chinoises ont rendu illégales de nombreuses pratiques religieuses. Les prénoms comme Mohamed ou Fatima sont interdits pour les nouveaux-nés. Même le port de la barbe est proscrit. La langue ouïghour est interdite dans les écoles. La Chine et la politique chinoise essaient d'éliminer les Ouïghours et leur religion. Donc, écoutez, tout simplement pour complètement leur effacer la culture ouïghour, la culture musulmane. Pékin cherche à assimiler les Ouïghours au sein de la culture chinoise dominante, selon la professeure Vanessa Frankville. Donc l'idée aujourd'hui, si on suit le discours chinois, c'est que pour stabiliser la région, il faut éduquer, neutraliser une certaine partie de la population. Et donc cette population, elle est majoritairement ouïghour. En 2016, la répression s'est accrue de façon marquée avec la mise en place d'un redoutable appareil de surveillance. Les caméras sont partout. Des applications espionnent le contenu des téléphones cellulaires. Et grâce à l'intelligence artificielle, les policiers analysent toutes ces données pour suivre à la trace une population entière. Vous marchez sur la rue, bien déjà, les ordinateurs peuvent repérer votre face et avoir toute l'information nécessaire dans leur fichier. Donc, surveillance 24 heures sur 24 sur les allées et les venues. À tous les points, que ce soit le métro, que ce soit les centres commerciaux, il faut rentrer là avec une empreinte digitale. Je crois qu'il faut aussi voir la région ouïghour comme une région laboratoire.
on est en train de mettre en place une société dystopique à la George Orwell. Grâce aux données recueillies par l'appareil de surveillance, les policiers ont ciblé des centaines de milliers d'Ouïghours et dans bien des cas, on les a appréhendés pour avoir posé des gestes anodins associés à des pratiques religieuses, selon Vanessa Frankville. Dans cette liste, vous avez à la fois le jeûne, la prière, le refus de boire de l'alcool, le refus de fumer des cigarettes, mais vous avez aussi le fait d'avoir installé un VPN sur votre téléphone ou WhatsApp pour communiquer avec votre famille à l'étranger. Une fois arrêtés, les Ouïghours sont envoyés dans des camps d'internement pour les reprogrammer. Ils doivent abandonner leurs pratiques religieuses et effectuer des travaux manuels. Selon l'ONU, plus d'un million d'entre eux ont été internés. C'est plus de 10 % de leur population. La Chine nie catégoriquement mener une campagne de répression contre les membres de cette minorité ethnique. In Xinjiang, religious freedom is fully respected. Please sit down. I'll answer your question. Okay, thank you. Lorsque confronté par nos collègues de la BBC la semaine dernière, l'ambassadeur de Chine à Londres a affirmé que les camps ne sont que de simples écoles de métier pour des jeunes qui auraient commis des fautes mineures. There's no so-called labor camps, as you describe. There's what we call vocational education and training centers. They are there for the prevention of a terrorist. Mais les documents secrets obtenus par le Consortium international des journalistes d'enquête confirment qu'il s'agit bel et bien de camps de détention extrajudiciaires. Ce document confidentiel, datant de 2017, signé et approuvé par le numéro 2 du Parti communiste au Xinjiang, Zhu Hailun, dévoile les directives pour améliorer le fonctionnement de ces camps. On y parle, entre autres, de l'importance de prévenir les évasions en améliorant les tours de guet et en verrouillant les portes des dortoirs et des corridors à double tour. Les responsables des camps sont sommés de contrôler les activités des détenus pour empêcher les évasions pendant les classes, les repas, les pauses toilettes et les douches. On y décrit les méthodes d'endoctrinement où l'on évalue par un système de pointage la transformation idéologique des détenus et leur respect de la discipline. Nous avons montré ces documents à Vanessa Frankville. Ça révèle une toute autre réalité que ce que la Chine veut nous faire croire, et ça révèle un écart important entre ce qu'il se passe de façon officielle dans les documents qui sont partagés entre les fonctionnaires et ce qui est distribué aux audiences internationales. La fuite montre également que le système de surveillance de la Chine tient aussi à l'œil des Ouïghours de nationalité étrangère. Ce document mentionne que 5 Canadiens d'origine Ouïghour se trouvaient en visite en Chine en juin 2017 et que leur dossier devait être examiné de près par les préfectures. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une surveillance importante sur les Ouïghours à l'étranger, ce qui est déjà quelque part inquiétant parce que ce sont des citoyens non chinois, c'est des citoyens canadiens, turcs. L'ambassadeur de Chine à Londres rejette la véracité de documents qui laisseraient entendre que la Chine a mis sur pied des camps d'internement. I'm telling you what you, the document, so-called document you're talking about is a pure fabrications. Don't listen to fake news. Don't listen to fabrications. Mais l'authenticité de ces documents a été confirmée par plusieurs experts. Et des témoignages bouleversants d'ex-détenus décrivent l'enfer des camps d'internement. On voyait de nos propres yeux des choses horrifiantes. Ce ne sont pas des êtres humains. À des milliers de kilomètres de la Chine, un jeune diplômé de la faculté de droit de l'Université de la Colombie-Britannique a décidé de mener sa propre enquête pour dénombrer les mystérieux camps d'internement dans son pays d'origine. Armé d'un simple ordinateur portable, il a découvert sur des sites officiels chinois des appels d'offres liés à la construction des camps. Cet appel d'offres a été publié en avril 2017. Et la construction de ce camp a commencé en mai 2017.
On voit des miradors sur les images satellites. À partir des ombrages, on voit qu'il s'agit de miradors comme dans une prison. Il y en a quatre ici. Les images satellites révèlent aussi l'installation de clôtures et de barbelés. Il s'agit d'un vaste projet. Presque toutes les villes du Xinjiang ont un camp de ce genre. Il dit d'avoir trouvé jusqu'à maintenant environ une centaine de camps d'internement dont il publie les détails sur Internet, ce qui ne fait pas l'affaire des autorités chinoises. Ma recherche me met dans une situation très difficile, mais je me considère chanceux si je me compare à mes amis Ouïghours. Je suis chinois de la majorité Han. Je ne risque pas ma vie en m'exprimant ici. La publication de preuves irréfutables, comme ces images satellites, ont forcé les autorités chinoises à changer leur discours et à admettre l'existence des camps. On est passé de « cela n'existe pas » à « oui, cela existe » jusqu'à « et d'ailleurs, c'est très très bien, suivez notre modèle », puisqu'aujourd'hui, la Chine vante ces écoles comme des modèles pour le reste du monde. La Chine a même invité des journalistes et des experts étrangers à visiter quelques-uns des camps. En août dernier, l'historien canado-albanais Olsi Yazezi a participé à une de ces visites guidées. Il a tourné ses images avec son téléphone. Je suis allé à un terrain de sport et j'ai vu des garçons ouïghours en train de jouer. J'ai voulu les interviewer, mais on me l'a interdit. On leur montre des jeunes qui semblent s'amuser, mais en vérité, tout est soigneusement orchestré. Ils sont emmenés dans une classe où l'on enseigne le mandarin et les lois chinoises. Et là, on leur permet de poser quelques questions sous l'œil attentif des agents du gouvernement. Are you afraid of your teachers? Yes, monsieur. Ils étaient toujours en train de regarder leurs profs pour s'assurer qu'ils répondaient correctement. J'ai enfin décidé de les questionner. Je leur ai demandé leur nom et pourquoi ils étaient là. What is her mistake? Why she ended up here? Ils voulaient qu'on propage une histoire fabriquée de toutes pièces auprès de la communauté internationale, selon laquelle il n'y a pas de camp de concentration en Chine ni de persécution en raison de l'adhésion à l'islam ou de l'origine ethnique. En quelques clics révélateurs, Sean Zhang démontre l'absurdité de l'effort de propagande chinois dans un camp de Kashgar. Il a découvert que juste avant la visite des journalistes et des diplomates étrangers, les clôtures à mailles ont été remplacées par des terrains de basketball. Voici les images que la Chine souhaite montrer au reste de la planète, des images tournées par la BBC lors d'une visite guidée dans le même camp. Ces jeunes jouent sur un terrain de basketball qui était inexistant auparavant. Le discours officiel de la Chine est aussi contredit par des témoignages bouleversants de Ouïghours en exil qui disent avoir vécu l'enfer des camps. Zumrad Dawood dit avoir été interné et endoctriné pendant 3 mois. En classe, on nous parlait du Parti communiste. On nous disait que nous étions pervertis par l'islam, que c'était une maladie contagieuse venant de l'étranger. Sarigul Saoudbe, une musulmane de la minorité kazakh, dit avoir été emmenée de force dans un camp pour enseigner le mandarin aux détenus. Elle s'est confiée à nos collègues de la télévision publique suédoise SVT. Plusieurs personnes dormaient dans 1 mètre carré. Elles devaient dormir sur leur côté droit, sans bouger. Si elles bougeaient, on les punissait. Selon Sierra Ghoul, il y avait une pièce appelée la Chambre noire où elle a été battue. Elle dit que des détenus en sortaient parfois couverts de sang avec les ongles arrachés. Il y avait une chaise avec des clous pointés vers le haut.
et aussi une autre chaise, une chaise noire, qu'ils appelaient la chaise du tigre. Elle infligeait des chocs électriques. Tous les soirs, nous pouvions entendre des gens crier. C'était comme si on les torturait. Selon Seragoul, les femmes internées étaient régulièrement agressées par les policiers. Un souvenir la hante, un viol qui aurait été commis devant les détenus. C'était horrifiant. Ils avaient rassemblé plus d'une centaine de personnes. Et ils ont pris une jeune femme dans la vingtaine. Les détenus, mariés ou célibataires, étaient sexuellement torturés tous les jours. On voyait de nos propres yeux des choses horrifiantes. Ce ne sont pas des êtres humains. Malgré la tension croissante à ce qui se passe au Xinjiang, la Chine semble malgré tout déterminée à poursuivre son programme de détention et d'assimilation forcée. La réaction de la communauté internationale est trop timide, croit Vanessa Frankville. Je crois que la diplomatie discrète, comme on l'appelle, ne fonctionne pas, n'a pas fait ses preuves, et qu'aujourd'hui, elle est même complice de ce qui se passe. Arki Aliyev, lui, espère que la communauté internationale, y compris le Canada, répondra à l'appel de détresse lancé par son peuple. Tout le monde est à fleur de peau ici, là, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui arrive à nos proches. Sont-ils vivants? Sont-ils morts? Est-ce qu'ils sont dans des camps de concentration présentement, en train de souffrir là-bas? On n'a aucune idée.